Dans le son ça, nous allons parler de effet miroir. Facilement, sous camper devant glace, comme d'habitude, moi, qu'on est qu'on camper devant glace, ou même qu'à tant d'imnans là, soulever mes doigts tout, ou même moi, qu'on est qu'on lève mes doigts tout. Mais, en bouquinant, glaçant, on blanc pas lever mes doigts ni, on blanc c'est main gauche il levé. Autrement dit, un effet miroir, c'est faire en sorte que même reflet reparaît, mais à l'inverse. Par exemple, si nous regardons le schéma que nous avons devant nous là, ça a été le schéma que nous avons fait à l'heure. Et le schéma ça, c'est le schéma inverse, schéma ça. Comment pour nous faire pour réaliser inverse, schéma ça? Nous prenons le même schéma. Comme nous avons fait Word, nous avons consacré les copies. Paste. Nous faisons un petit edit copie, et puis nous faisons un petit edit paste. Voilà, mais même schéma avec un moins là. Mais regardez bien pour eux, tous les deux ont même sens. Trouve ça, bye, pas boy site. Trouve ça tout, bye, pas boy site. C'est même schéma qui empaille. Mais comme nous pas fait Word, c'est quoi Dieu n'a pas fait, nous pas utiliser edit copy, edit paste, n'a pas utilisé carrément edit duplicate, ou bien contrôle D. Ça après, nous, que nous allons plus rapide. Nous pas le temps pour nous faire edit copy. Nous faisons contrôle D. Voilà. Mes schémas. Maintenant, pour me virer dans le sens inverse par rapport avec ça, pour me produire un effet miroir, qui ça me fait? Je choisis, ou du moins, je sélectionne, je clique sur l'objet que j'ai besoin d'un effet miroir. Le fini mal dans la propriété, là, il y a marqué miroir. Si je pense à l'air à tout, il y a marqué miroir. Tous les deux, c'est pour miroir. Mais la seule différence, il y a un qui peut me mettre l'objet tête en bas, il y a un tout qui peut me mettre l'objet devant derrière. Par exemple, objet ça, si je prends, je clique sur le premier objet miroir qui est en l'air, bouton miroir là, je clique sur lui, vous marquez bien, objet a, les virer bouche li vin jeune ça, autrement dit, objet a vin devant derrière. Et si je prends objet en bas, je clique sur lui, objet a vin tête en bas. Pour qu'on voit bien, ça m'a dit là, je prends un deuxième exemple. Je vais aller un petit genre plus loin, ouais, excusez-moi. Il y a un objet qui marqué welcome. Voilà. Si m'applique miroir en souli, voilà. Pour mettre ça en l'air, moi mettez objet à devant derrière. Ou quand marqué bien, welcome dans marqué devant derrière. Et si me prend l'autre ça qui est en bas, la paix moi mettez welcome dans tête en bas. Voilà, me dit welcome dans qui marqué tête en bas. Pour me ka faire plus bien toujours force miroir, on va plus loin toujours ensemble avec vous. Voilà. J'ai deux images, main première, main deuxième là. Me départir au bout. Voilà. Main première, main deuxième là. Si me clique sur photo là, me clique sur bouton miroir qui en l'air, on voit que visage fille dit changer de position. Et si me clique sur miroir qui en bas, fille vini tête en bas. Voilà. Qui vient que t'as l'œil, lorsque vous placez tous les deux ensemble, voilà, divine by effet, sorwe, qui by actuellement là. Donc, allez, sous machine ou, hein, sous capable, essayez avec une image, n'allez très loin, sous capable tout essayer avec un texte, sous pour revenir un texte, sous, non pour revenir à donne, essayez carrément avec n'importe objet qu'on gagne, sous, et, écran ou bien dans interface Corel Draw que nous avons étudié ensemble. Allez, ici sur machine 1, on va dire comment ça t'est.